C'est un revers pour les ONG de défense de l'environnement et une victoire pour Shell. Ce mardi, la Cour d'appel de La Haye a invalidé une décision de première instance rendue il y a 3 ans qui imposait à la compagnie pétrolière de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 45% d'ici fin 2030. Une action en justice intentée par la branche néerlandaise des Amis de la Terre et 6 autres ONG. Een spécifieke reductiedoelstelling vastgesteld die inhoudt dat haar scope 1 en 2 emissies in 2030 met 50% zijn verminderd ten opzichte van 2016. Verder volgt uit de door Shell aangeleverde documenten dat zij in 2023 al een reductie had bewerkstelligd van 31%. Des militants s'étaient rassemblés sur les marches du palais de justice. Le directeur de la branche néerlandaise des Amis de la Terre, Donald Paul, ne compte pas en rester là. Ik ben hier echt door gehakt. Dit had het moment moeten zijn waar we echt de doorbraak hadden kunnen realiseren in de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering. Dat is vandaag niet gelukt. Maar de strijd tegen gevaarlijke klimaatverandering is een marathon. Niet een sprint en de race is pas begonnen. Plus de 17 000 citoyens néerlandais s'étaient constitués partie civile dans le cadre de cette action. Cet arrêt de la Cour d'appel de La Haye peut encore faire l'objet d'un recours devant la Cour suprême des Pays-Bas.